Re, donc voilà, j'ai récupéré mon sang, je suis passé niveau 69 entre temps parce que j'ai fait une petite coupure et du coup ben je vais en faire une autre dans quelques secondes parce que là c'était juste pour dire que maintenant c'est bon. Alors je pensais faire un Enir, finalement je l'ai fait mais je l'ai pas filmé. Bah c'est pas grave. Et du coup on se retrouve à plus tard. Parce que maintenant, ellipse magique, attention. 3, 2, 1. Donc du coup, Voilà. Après, de nouveau une semaine. Non, non, non. Quasiment. Non, non, moins, beaucoup moins. Deux jours à peu près. Moi, je sais même plus. Tu comptes même pas, laisse tomber. Ouais, voilà. Voilà, et cette fois-ci, c'est notre dernière partie. Enfin. Voilà, 30%, on a 35. 70. Et on fera un 35. petit DS. Et Un Enir, Enir. Enir, Enir, Enir. Après, on dira au revoir, enfin, pour une bonne fois pour toutes. Exact. On devrait essayer les speedruns en solo pour voir ce que ça donne. Bah moi ce serait pratique, il n'y aura pas besoin d'attendre les autres. Ouais, justement, pareil. Parce que quand c'est J'aurais bien toi. dit on fait un petit done de nous deux, celui qui XP le plus rapidement, mais Oh, t'es fou? comme il y a des fois je fais pas me co souvent. Moi, je peux me co tout le temps. C'est moi ou l'image de compétence du BM, c'est une meuf qui a le bras du RF. Ah bon? On En n'est pas Electro Hat. le 1er avril que je sache. Non mais c'est pas une meuf genre la moche hein, c'est une meuf assez stylée. Ah bon? Ouais, qui a les cheveux courts blancs. Sérieux? Ou alors c'est un mec mais il a la gueule d'une meuf. Ça se trouve, ils ont mis Regarde la Luciel taille. par erreur. Non non, Tu vas c'est pas regarder dans les Luciel. datas? C'est encore plus court que Luciel. Les cheveux. Que Michel? Que Luciel. Parce que comme tu l'as dit, on dirait vraiment Ah tu vois pendant une Michel. seconde. De quoi? Faut que tu regardes, des fois il fait des attaques. Ouais, mais je vois pas tes skill cutting, moi. Hein. Ah merde, Bah non, faut que tu règles ça. je vois pas les skill cutting des autres, hein, je vois que les miens. Bah c'est con. Bah ça a toujours été comme ça, hein, t'avais jamais remarqué depuis le début du jeu? Tu joues pourtant depuis 3 ans. Hein. Mais moi je l'ai fait, hein. Je change l'option. Hein. Quelle option? Bon, c'est une option que tu peux changer. Hein. Pour enlever les skill cutting? Pour voir ceux des autres. Ah, pour voir ceux des autres. Tu fais taper sur O et puis il y a Group Skill Cutting et tu coches. Ah bon? Ouais. Essaye. Attends. Oh. Ah ouais, groupe skill cutting. Et tu verras, et le BM il a Skill Cutting chelou. Attends. On va voir ça. Bon, Voilà. ça c'est la Asura. Ah ouais. T'as encore la Asura. Je regarde. Ouais, Encore la par Sora. contre, ça commence à plomber mon écran là. Ah moi j'aime bien, c'est stylé. Non, mais ça devient Bon, chiant. après je suis habitué depuis que je suis petit. Enfin depuis que j'ai commencé à jouer. Depuis que t'es petit. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. Seul toi le sais. Bah non même pas. Ah bon? Bon je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il sait même plus ce qu'il dit. C'est ça. T'as craqué Mais fais une attaque le psychologiquement. BM. Fais une attaque bordel de merde. Ah, c'est pas. Ah, c'est le BM, c'est l'autre. Ouais, le BM c'est le 70 là. Ouais. Tu verras, il a Il a une les. veste de mec qui sort d'un congélateur. Ouais. Avec les cheveux blancs. Avec les cheveux Et il blancs. a le bras de. Merde, il est vieux. Ouais. Et il a le bras du RF. Un mec vieux. Ouais, il a le bras du RF. Toujours la même. Ouais, Ah, fait chier. j'ai jamais vu le skill cutting du En fait, il BM. fait que des attaques 30 PM en fait. Ouais, Du coup, on mais. voit pas son skill cutting. Je crois qu'il veut pas qu'on le voit en fait. Ouais. J'adore la meuf, la Azura qui s'appelait Luciel. Ça Ah, veut mais non, dire. il a une monture. Ça veut dire, mais je suis trop impatient d'avoir le personnage Luciel. Ah, mais je ferai des vidéos. Dès qu'il apparaîtra, je ferai des vidéos dessus, bah évidemment. Bon, Fred. Bah, pas forcément, hein, parce que je compte faire les 3 SP. Hein. Avec les quêtes et tout, mais évidemment. Bah déjà il y en a que deux hein, donc Bah oui. La première quête encore je peux filmer, la deuxième ça va être beaucoup trop long pour que je filme. Ah tu vas faire carrément les quêtes? Ben ouais. Sur Ouais la. sans moi, moi je fais cash là j'achète hein. Ben quand elle apparaîtra sur la FR, je ferai les quêtes, je parle, pas sur Void Ah. évidemment. Ah je le disais.
Du moins, faut déjà qu'il apparaisse. Ouais, bientôt, je pense. En fait, il a la monture, l'enculé de BM. Bah ouais, chier. Nous aussi. Oh, puis moi, maintenant, elle vient de se finir. Ah, ça y est. Et l'autre, le scorpion, tu l'as toujours? Ouais. Non, mais le char, ça fait longtemps qu'il est usé. C'est depuis niveau 55, à peu près. Ah bon? Oui. Ah, c'est pour ça que tu le mets jamais, le char. Bah oui. Bon, bah, il n'y a pas de BM, hein, je suis désolé. On le verra il pas. Il a une monture. Mais il a le dragon de glace. Ah bah ouais, c'est super, hein, copain. On a les mêmes dragons. C'est pratique pour voir son skill cutting. J'aime ton sarcasme. C'est qui... Oh, c'est qui quel scorpion? Scorpion? Toi? Bah moi j'ai pas de scorpion. Ah bah c'est le BM encore. Encore? Ouais, t'es sérieux? Mais il a toutes les montures du jeu ou quoi? Et le mec il... Et je rigole, le mec il collectionne toutes les montures. Ah, c'est ce que je ferais moi. Pareil aussi, mais bon, ça serait un peu cher quand même. Faudrait que ce soit en promo. Ouais, c'est vrai, il fallait que je fasse ça aussi. Que tu fasses quoi? Bon là, par contre, elle est où l'autre conne là? Ah bah elle est là. Je sais pas. Ah. Où ça? Ouais. Je peux pas l'activer, pourquoi? Non, me dites pas que j'ai plus de médaillon. Ah, elle est là. Aïe. Ah si, là je peux en avoir 20 avec ces conneries. Bah finalement, ça me servira à quelque chose. Voilà. Tiens, prends ça, l'attaque des pigeons voyageurs. Oh, j'ai un cube. Ancient Silver Cube. Oh, je l'ai presque tué. Ah bon? Je rajoute une couche alors. Elle est où? Oh non, fais pas l'ultra. Elle était à côté de toi, mais tu l'as tué. Bah tant mieux. Alors qu'il restait un pixel de vie, c'est bien. Elle a même démangé. Fallait le faire sur l'autre, il avait deux fois plus de vie. Non, pas vraiment. Hein. Si, si, je t'assure, j'étais à côté. Hein. C'était juste un encas, ça. Putain, l'organe de Behemoth, il est juste chiant à crever, à tuer. Éclair. Encore heureux qu'il utilise sa propre vie pour invoquer des bons dominations. Ah, ça c'est bien ça. Bah oui, tu savais pas? Non. Bah non, t'as tellement fort que je vois pas sa vie qui tombe. Bah parce qu'en fait, les bons dominations, ils sont tellement résistants que l'organe de Behemoth, il utilise sa propre vie pour les invoquer. Ouais. Et comme il y en a plein partout, ben du coup, il est facilement crevable. Et on peut tuer les œufs rouges avant que les bons dominations ne spawn. Hein. Mais ils donnent pas d'XP. Bah non. Puisque les bons dominations, alors que les bons dominations ils en donnent. Oui bah ça sert à rien de les faire spawn. Ah mais t'es sérieux? Bon bah voilà, on verra jamais le BM sans skill cutting. Bah. Ok, je peux enlever l'option. Ouais, je peux même pas dire vous pouvez voir dans la vidéo parce que t'as pas enlevé l'option. Bah de toute manière je l'avais pas vu. C'est dommage parce qu'il est assez bizarre. Ah bah ça on s'en fout, hein. Au pire il a changé de skill clip, hein. Je te rappelle que dans Void c'est possible. Ah mais il est quand même chelou, je l'avais jamais vu. Oh là là, l'organe de Behemoth qui est juste increvable. Il y en a un autre. Bah il y en a deux au fond, tu sais. Chier. Ah, juste au moment où la monture s'enlève. Ah, tu l'as tué. Oh, un mini Mapu. Mapu? Un mini, ouais. Ce n'est qu'un vulgaire. Bah, ce n'est qu'un vulgaire sorcier, Trax. C'est une grosse merde. Bah, il lui ressemble quand même. Hein. Bah, oui, mais bon. Hein. Real Caris. Et c'est pas Real Madrid. Tu dois te tuer. Ouais, après le Real Madrid, le Real Caris. Voilà. Ultra de la Sora. Avec un ça c'est fou, on dirait elle a jamais de cooldown quoi. Ça fait au moins 4 fois qu'elle l'a fait dans le donjon. Bah ouais, le donjon est quand même assez long, hein. Ça fait un quart d'heure qu'on est là. Ah mais moi le mien elle est encore en temps de recherche quoi, je l'avais fait au demi-boss. Elle aussi elle l'a fait au demi-boss. Elle doit avoir les espèces de médailles qui permettent de réduire le temps de 60 secondes. Ah ouais, c'est trop stylé ça. Au lieu d'attendre 3 minutes, je crois qu'elle en attend une ou deux. Ouais, une. Mais dommage que c'est. Je suis sûr que c'est les âges uniques. Bah oui.
C'est pour ça qu'ils en achètent plein. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça, où est-ce qu'ils le fabriquent. Tu peux en acheter au tableau, ça coûte 5 millions. Ouais, bah justement. Il y a vraiment des gens qui utilisent 10 000 euros sur ce jeu, quoi. Ouais, franchement, 5 millions, c'est beaucoup trop. C'est les gens qui veulent se faire de la thune. Hein. Si seulement pouvait y avoir des... Si seulement pouvait y avoir des soldes. Mais non. Non, pas de soldes. Et d'ailleurs, alors je vous parle, je crois que c'est demain, il y a les rembourses clauses sur la FR. C'est le quoi, truc qui ne sert à rien. C'est quoi? Bah si, si vous achetez sur carte, mais il n'y a que 20% des gens qui achètent par carte. Ah d'accord, merci de la pluie. Je savais pas, il pleut toujours. Oh, c'est chiant. Ouais, bah attends, là on arrive bientôt au moment où elle va faire venir tous ces monstres de partout là. T'imagines ça en Enir solo? C'est chiant. Solo, non. Moi je l'ai fait, franchement, moi je te dis... C'est... Ah bah GG. Hein. Ah bah j'ai quand même perdu une dizaine de résus. Hein. Oh putain. Bah maintenant je suis à 92. Et j'ai juste perdu. Et j'ai que perdu chez Caris. Hein. J'ai que perdu chez Caris. Moi j'en ai perdu trop. Ouais. Mais c'est même pas la première Caris qui m'a fait chier, c'est la deuxième. La première j'ai pu la battre fastoche. C'est la deuxième qui fait chier. Non, la pluie, non, l'œuf. Voilà, c'est bon. Et le pire, c'est qu'elle en fout bien partout, histoire que tu te les prennes obligatoirement. Ouais, c'est dégueulasse. Parce que le temps que tu cherches une ouverture pour te cacher entre les bouboules, bah t'es déjà mort. Ouais. Non, et voilà. Oh, yes, j'ai été bloqué par un plafond invisible. Châteux. Ouais, bah ça, c'est des bugs récurrents, tu sais. S'ils corrigeaient ça, on serait pas très très content non plus. Hein. En même temps, tu vois, j'ai une monture. Donnez-moi l'essence. Merci. Ah là là, le finish dans le poison, c'est tellement bien. C'est pas ton poison, je me nage dedans. Voilà, 70, cap 70. Ah non, elle vient d'up 70. Mais okay, t'es déjà 70. Depuis quand 70, up 70? C'est ce que je vous disais, en fait, c'est le BM qui était 70. L'autre qui s'appelle Luciole. Putain, encore un Caris et on up déjà. Ouais. Bon ben, c'est parti pour le peut-être dernier donjon, à moins qu'il nous troll et qu'il nous mette à 99. Qui serait plus pute. Ouais, ce serait plus pute. Ouais. Mais non, je m'en fous de ma pute. T'es toujours là, toi? Ma pute, tu veux dire? Ouais, si tu veux, on appelle-le comme... C'est ma pute. Le Black Mage. Ouais. Franchement, c'est un régal de venir ici, à la tombe de Santilus. Putain, il y a un boss. Il y a tellement de succubes dans ce champ. Mais c'est... Waouh. Il y a tellement de regroupements d'ennemis, surtout. Tu pexes, mais fastoche avec une monture. Bah d'accord, ça valait le coup de faire un 300 PM. Bon, lance le dernier Caris. Enfin, peut-être. J'espère. De toute façon, s'il nous reste pas grand chose à Pex, on le fera dans les champs, c'est pas compliqué. Ouais. Bah, il devra même pas nous rester 10%. Si on a une quête random, on up direct. La moindre quête random nous fait up direct. Ouais, j'ai utilisé deux potions pour faire de la place. Ah. Et après, on laisse nos motures recharger jusqu'à ce qu'on puisse aller au Enir. Non, moi je l'active cache et j'ai utilisé une potion qui me use une place d'inventaire, ça me fait chier. Moi ce que j'ai besoin c'est de recharger toutes mes montures. Il y en a qui ont fait le titre de maître du donjon. What? J'ai même pas le temps de voir les ennemis. Ils lancent déjà leur achat quoi. T'es sérieux? Ça me fait laguer d'ailleurs. Et en plus... Attends. Ouais, c'est vrai que les mobs ne prêtent pas un seul dégât. Ah, parce que j'ai lagué. Non, c'est pas toi. J'ai dit, il fallait pas que je sois chef. C'est pas toi qui es ah chef. Ah non, en fait, c'est pas moi là qui bug. Bah non. Parce que là, je tape les mobs. Hein. Ah, c'est FRZT qui lag. C'est le Chung. Ouais. Tapez pas, enlève ta monture, tu la gaspilles pour rien. Ah ouais. Je tape quand même, ça me fait du score. Il va partir. Même parce qu'ils me mettent encore des coups.
Tac. Bordel. Bon. Ah, oh, t'es sérieux? The fuck? Eh ben, ça veut dire qu'on les a déjà clear. D'accord, j'ai pas eu d'argent, j'ai pas eu d'XP, mais c'est pas grave. Tu me diras, c'est comme au machin de Altera, là, le cœur. C'est exactement pareil, il y a aussi le même bug. Ah bah je l'ai jamais eu, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah si oui, quand tu as fait spawn, ouais, mais là c'est pas ouais, pareil, c'est parce qu'il y a un gars qui a bug. Et les lasers. D'ailleurs c'est assez récurrent. Mm-hmm. Comme les balais à chiottes. Oh ta gueule. C'est toi qui l'avais fait, donc j'ai le droit. Non, c'est copyright. Tu le fais pendant tes vidéos, si tu le fais pendant tes vidéos, je le fais. C'est copyright, faudra me payer 3 milliards. Pas de problème. Sérieux, tu payes? Tu payes pour les droits d'auteur? 3 milliards de centimes, ouais. Non, pas de centimes, 3 milliards de PP. Ah bah, t'es refoutre. Ah bah voilà, alors tu ne parles plus de ça. Ouais. Balai à chiottes. Là, ça vaut 6 milliards. Hein. Ah, c'est pas grave, balai à chiottes. 9. T'as le droit sur les balais à chiottes, normal. Ah bah voilà, on va... Ouais, dis dommage au boss, c'est bon, trop dur. C'est bon, on va pex. Ouais, Pex. Une seule achat sur le boss suffira à lui donner 10% de dégâts. On va Pex, c'est fini, on va up niveau 70, hein, ça va être vite fait. Suffit juste de finir le donjon. Ah, j'utilise la potion. Déjà que Caris, ah ouais, elle donne 25% à elle toute seule. Ah ouais, d'accord. Ben ouais, ça veut dire que avec le donjon, ouais. Normalement on devrait pas up avec le donjon en fait. Mais grâce aux 10% de gagné, ben on va up. Et après, ce sera le hennir de clôture. Ouais. Ah bah oui, à chaque fois que tu finis un speedrun, ce serait quand même classe de faire un hennir, quoi. De montrer de quoi est capable ton perso niveau 110. Ouais, avec une hacha niveau 2. J'avais oublié. Bon, ça va pas. Bordel, qui n'a pas tué le boss. Ça va pas beaucoup changer. Et au fait, l'autre, elle a bougé ou pas? Non, elle nous aide même pas. Bah non, ce serait trop dur, elle est 70 maintenant, tu sais. Elle est obscène. Oh, en plus, ouais, elle s'abuse au pseudo, quoi. Tu peux écrire connasse. On est full monture rouge. Vas-y, tu peux écrire connasse dans le chat, elle comprendra pas. Si, je suis sûr, ils comprennent les insultes en français, quand même. Non, on m'étonnerait. Il y en a, ils comprennent. C'est comme pour certains avec l'allemand ou l'anglais, ils comprennent pas les mots, mais ils comprennent les insultes. Hein. C'est ce que t'apprends en premier, en général, dans une langue. Ah ouais, ça c'est clair. La première chose que t'apprends, c'est pas bonjour, c'est pas au revoir, c'est connard, fils de pute, enculé, ta race. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les mots préférés des Français, je crois. Je crois en plus que le mot préféré des Français, c'est con. Ouais, je l'entends beaucoup. Il y a con, il y a merde, il y a bordel, il y a connard aussi. Il y a bordel de merde. Et il y a gueule. Ouais. Bordel de merde, comme ta gueule, c'est même tout réuni en une phrase. Mais espèce de con, bordel de merde, ta gueule, connard. Voilà. Sale con. Donc il y a sale aussi qui vient. Il faut rajouter fils de pute, nique ta mère, sale race de salaud de tes couilles de. Salaud de tes couilles de pédophile de merde. Voilà. Ouais, bon, en fait, tu dis toutes les insultes. Hein. Ouais, sans oublier le mot PD. Ouais, évidemment, essentiel. Quand un gars est homosexuel, tu dis pas il est homosexuel, tu dis il est PD. C'est beaucoup plus gentil. Oh, ça, je sais pas. C'était du sarcasme. Ah merde, c'est déjà fini la salle. Je vais tuer des mobs suivants, mais il n'y a pas de mobs suivants. Clear. On est au clear. Hop là. Oh là, mon inventaire temporaire, quoi. C'est pas comme sur la FR où dès que t'appuies sur un espace, ça attend pas 3 secondes avant d'enlever l'objet. Bordel. Oh là là. On arrive bientôt au final. Le Henny, on se fait à deux en normal. Ah, en normal. Bah oui, bien sûr, en normal, pas en défi. Ah putain, alors qu'il s'est jeté du mécoté, évidemment. Parce que le Henny, parce que déjà le Henny, on peut se le à deux, on met pas une heure à le faire, quoi. Non, en solo, j'ai mis 57 minutes. Hein. 20 minutes à deux. Ouais, à peu près. Parce que je déconne pas, mec, mais jusqu'à Sender, j'ai mis une demi-heure, même pas. J'ai même pas mis une demi-heure pour aller jusqu'à Sender. Ah, c'est con qu'il n'y ait pas mon cousin, on aurait pu faire. C'est les deux Caris hein, qui ont été vraiment les combats les plus longs. Bah oui, parce que entre l'une qui peut faire des combos et contre-attaquer à n'importe quel moment et l'autre qui peut te one-shot à n'importe quel moment,
et qui invoque des mobs et qui se protège en baissant son cœur, évidemment, bah c'est chiant. C'est long. Merde. Et chiant. Oui, on t'attendait, toi. C'était une potion en plus. On espère cette fois que, ben. Moi je dis, dès qu'on arrive chez Caris, on balance toutes nos achats dans leur gueule. Hein. Même ouais. Avant, Belmez, c'est le grand minimum. Bon, des joueurs à map Coria, je le fais. Hein. Tokar, je le fais. Hein. Rien à foutre. Ouais, moi j'ai fait ma achat sur Tokar, il est pas mort. Le tout premier. J'ai une achat de merde. Et pourtant, j'ai une arme plus 7. Hein. Moi aussi. Ah, vas-y, moi j'essaierai. Sur Tokar, mon achat. Parce que maintenant j'ai un petit peu augmenté mon armure et mon arme, mais j'ai toujours un putain de short niveau 5. Faut que je le change. Moi aussi, faut que je change mes chaussures. Et il faut aussi que je me sertisse en critique, que ça fasse encore plus de dégâts, de dommages. Ouais, c'était quoi cette attaque? C'est... l'explosion nucléaire du Raven, non? Voilà, mais sauf que c'est une invoque qu'elle a invoqué la Sora. Ah bon, elle a invoqué ça? Ouais, c'est un maître légendaire. Ah, je sais d'accord. Comment il s'appelle, mais il est assez stylé. Barzak. Évidemment, il ouais, y a que lui pour faire ça. Ou Ethan, je sais pas. Il se ressemble. Ethan, tous les je crois deux. C'est le PM. Ethan, je sais pas. Et déjà, là, vous t'avez vu. Hein, déjà qu'ils ont pas mis des maîtres. Hein? Faut qu'elle soit hyper loin, l'autre. Bon, je vais la faire descendre. Ah, bien aidé de la geler. Ouais, en fait j'arrive pas du tout à la toucher, elle est trop haute. C'est voilà. Tu l'as touché. Ouais, à peine. Ah, ça y est, elle est tombée. Non, toujours pas. Non, elle descend. Non. Putain, non, elle m'a donné un cœur, du coup j'ai un hyper malus là, hyper casse-couille. Ça y est, elle est morte. Allez. Ah ouais, d'accord, moi j'ai perdu tous mes PM. Ouais, moi aussi. Heureusement qu'elle a donné une fièvre. Oh, j'ai gagné une arme violette, c'est pour Aïcha. Niveau 70. Collect. Normal. Collect, moi je vais vendre ça, moi. Ouais, tu crois que tu vas pouvoir le vendre beaucoup. Oh bah, ça se vend cher. Ça peut se vendre cher. Ou sinon, bah elle terminera dans l'estomac de ma bestiole. Voilà, c'est ça. En fait, je crois qu'elle va terminer dans l'estomac, ma bestiole. À moins que tu veuilles faire une achat chez une Aïcha, je sais pas. Ouais, non, j'ai à ce qu'elle a up. Oh, 70, c'est facile. Mais... c'est facile à upper 110. Ouais, mais bon, je préfère d'abord upper mes Raven et mes Had. T'es pour Raven et Had, toi. C'est les meilleurs persos pour toi. Ouais, pour l'instant, Had, ça m'a saoulé. Ah, il t'a mais saoulé. Mais comme je l'ai commencé, je voulais terminer. T'as fait les trois. Ouais. Waouh. T'as combien de persos là? 6. 6! Oh! Et ton niveau le plus bas il est à combien? 13? 35. 35? Bah ouais, parmi mes 6 persos, ouais, c'est 2,35, 1,42, 1,51, 1,57 et lui. Non, il est 58 maintenant, le DM. Mm-hmm. Celui que tu fais avec Flo et compagnie? Ouais, non, ils m'ont abandonné, je fais tout ça maintenant. Ah, voilà pourquoi j'aime pas trop faire des speedruns avec des gens comme ça, parce qu'en général, c'est des gens qui t'abandonnent au bout de un ou deux jours. Bah, parce que c'est à cause de ce perso, ils voulaient jouer avec nous, mais. Voilà. Et je ne referai plus jamais de speedrun aussi avec du PEX ensemble avec Katsu. Pourquoi? Parce que c'est pareil qu'avec ton cousin et ton frère. T'as abandonné? Voilà. Tiens. Et du coup, bah moi je. Et je pexe tout seul. Et quand il revient deux semaines après, je lui ai fait ta up. Il me fait ta up. Je fais ouais. Mais putain, pourquoi ta up? Je voulais qu'on fasse les trucs ensemble. T'avais qu'à te co. T'avais qu'à te co. Ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines, j'avais envie de la faire. Là au bout de deux semaines. Mais mec, je vais pas me priver de jouer juste parce qu'il y a un connard qui veut pas se co. Moi j'en ai rien à foutre. Ouais, si ultra, ça fait que 5%. Si on va dire que si pendant 3 jours. Y'en a un qui se copa, moi je le fais sans lui, hein, trop tard. Hein. Il avait qu'à venir. Ouais. Pas qu'il chiale après, t'as pexé, t'as trop de. Non. T'as trop de trucs, non. Mana break. Voilà, je suis mort. Moi j'ai mana break, sinon je serais mort. Bon, allez.
Ah voilà, j'ai réussi. What? Évidemment, sur Caris, hein, on fait toujours pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, t'as qu'à toi aussi, t'as pas fait les 10%. Ouais, j'en fais que 6. Oh non, moi aussi, avec mon achat, j'en ai fait 5. 5? Oh, ça veut dire que je t'ai dépassé, mon achat? Oh. Ouais, mais t'as tapé avec la monture. Non. T'avais fait l'explosion de flag avec ta monture. Non. Si. Non, je l'ai pas fait. Bah, t'as quand même tapé avec ta monture, moi j'avais pas tapé. Hein. Voilà. 110%. Après, j'ai aussi fini avec ma monture. Hein. Moi je dis, après tu vas en salle d'entraînement, tu fais sur un grand sage en bois et tu me dis combien de dégâts ça fait. Moi je fais presque du 2 millions. Du 2 millions? Ouais, merde. Oh, je suis même pas tombé, je suis cash retombé, c'est trop bien. Bah tiens, c'est pas con ça, je vais d'abord... ah non, il me faudrait l'arme de Caris, ça serait plus simple que celle du gardien ancestral. Hein. Parce moi que, je garde celle-là, elle est plus 7. Eh bah oui, t'as un pare-choc plus 7. Moi j'ai essayé. Bah ouais, moi j'ai essayé de passer au niveau au-dessus avec le machin de forgeron. J'ai réussi qu'à aller à plus 7, moi grand maximum. Ah ok, t'as pas utilisé de pare-choc. Bah si, puisqu'après ça revient à 0 en fait. Merde. Parce que vu que mon niveau de forgeron n'est pas très haut, ben tu reviens vite à 0. Donc du coup, ben pare-choc plus 7 obligatoire. J'ai dû le remettre à plus 7. Mais de toute façon, on va up et on va faire que dalle, on va aller dans les champs et on va pex. Attends, quoique les bonus viennent après. Non, même. Ah, j'ai le gant de Caris. Ouais, moi aussi. Tu vois, je t'avais dit, ça s'obtient trop rapidement. Est-ce qu'on va recevoir le reste ou est-ce qu'on va aller dans les champs? Non, il faut aller dans les champs. Ouais. Vite fait, tu la reçois à la fin du donjon et puis c'est mort. Moi, je dis, reviens au cimetière de Santilus. Hein. Je suis. Parce qu'il y a beaucoup plus de succubes là en dessous et en plus, c'est toujours orange. Ah, t'es au donjon d'à côté. Donjon? Au champ d'à côté. Bah oui. D'accord, cratère du Behemoth. Non, mais moi j'y vais pas. Cratère du Behemoth. Il y a toujours la race de gens qui vient ici pour Pex. Alors que ici il y a beaucoup plus de mobs qui sont regroupés. Mais mec, ils sont juste regroupés quoi. Tous. On se fait Cerveros. Carveros. Ouais, Carveros, tu peux faire. Ah, tu veux. Ah, tu parles du boss du Trax Nest. Oui. Bah. On fera ça hors caméra. Dans une seconde, je peux faire mon achat. Ah bon? Ouais. Non, on va pex pendant le nid des tracks, sinon. Et puis de toute manière, je crois que ça sera vert. Les tracks, c'est déjà vert, mec. Bah, quand je l'ai fait avant, c'était vert. Parce que tu l'as fait avant? J'étais 68, hein. Quand je l'ai fait. Putain, je suis tout seul à me le taper, sans déconner. Je peux pas taper un mob sans qu'il se téléporte. Je peux pas taper Cerveros sans qu'il me tape. Ah, t'es au boss de champ. Eh oui. Et je croyais que tu parlais de la quête du Nidetrax. Non, je te parle du boss des champs qui est apparu. Ah, parce que moi j'ai la quête hein, pour le Nidetrax, faut faire le boss. Ah, moi je l'ai faite. Cerberus Trax. Tu voulais pas la faire. Oh, moi je ferais ça hors caméra. Ouais. Solo s'il le faut. Hmm. Évidemment, faudrait pas qu'il y ait le Pocta. Hein. Ah, c'est pas compliqué, si y a le Pocta, je sors du donjon. Hmm. Moi, je me fais pas chier. J'irai pas jusqu'à Tracta. Putain. Il reste encore beaucoup de vie? Moitié à peu près. Il m'a bouffé mon attaque. J'espère que c'est bon. Bah tiens, je vais monter niveau 70 et j'arrive le buter après. Vas-y. Voilà. GG. Tiens, t'es 70 aussi, tant mieux. On va aller se le faire et puis après on finit avec le Ynir. Non. Ah, la bestiole qui booste enfin. The laser. What? Il y a des flashs là. Ah, il m'a gerbé dessus. Et en plus, il m'a fait la désorientation. Et bah voilà, chers amis, on est arrivé jusqu'au bout du speedrun, on est niveau 70. Mais c'est pas fini, il reste encore le petit Ynir.
Fais chier. Avant d'arrêter. Et ah oui, évidemment, on change de. On regarde nos dégâts de achat, c'est vrai. Ouais, niveau 2 maintenant. Mais le problème, c'est qu'il va falloir quitter le groupe pour ça. Ouais, c'est pas grave. On a gagné combien de points quand on est passé niveau 70? 2 points. 2? Non, tu parles de quoi? Les points de compétence! Oh, je sais pas. Oh, Parce que il nous en faut au moins 10 pour l'achat. moi j'en ai 42, donc c'est ben. Ah bah toi ça veut dire que ça fait un moment que tu l'as pas fait. T'as pas mis de Non, ça veut points. dire que j'ai économisé. Ouais bah oui, c'est ce que je viens de dire. Mais j'ai quand même monté des attaques, hein. Bon, faudrait bien que Carveros y meure là parce que. Il va mourir. Parce que je le veux. Et t'as vu les mobs, il y en a encore qui sont au vert et orange. Alors que pourtant on est. Ouais, d'ailleurs, je revais la fenêtre qui dit vous pouvez pas obtenir des points d'expérience, ça me saoule. Ouais, moi j'ai déjà enlevé ça. D'ailleurs, je reçois plus aucun truc de points d'expérience. Ça doit sûrement être à cause de ma SD. Il est temps d'augmenter l'achat et de passer à l'entraînement. Et après. Sender. Et après, on finit avec Caris. Alors, je vais juste aller voir au panneau. Je suis encore aux ruines à la con. Moi, je vais vendre. Faut que je voie si j'ai de quoi acheter la fameuse épée. Ah, d'ailleurs, avant de l'acheter, je vais juste nourrir ma putain de bestiole. Tiens. Aval l'arme de truc que j'ai drop. Voilà. On commence avec tout ce qui est scellé. C'est ce qui vaut le plus. Et ça évite de les déceler. Et il est déjà full. Bon bah ça fait chier parce que je peux pas vendre ces conneries là. Que tu Play. peux, tu as des selles. Oh non, ça coûte de l'argent. C'est plus rentable. Ça reste rentable. Ouais, ça t'enlève 30 000 pour récupérer un peu plus. Autant le démonter quoi. T'enlève pas autant. Bah si tu démontes, tu récupères la thune des matériaux. C'est la même chose. Toi, j'ai même pas de place. Il n'y a pas de place dans l'inventaire, on va te faire foutre. J'espère que la clé mort elle est pas trop chère. J'espère déjà qu'il y en a une. L'espérance, l'espérance. Alors je reprends ça parce que finalement ça me sert à rien. Je fais de la place. Des fois c'est rare, mais on drop des machins plus 7. Hein. C'est très rare. Oh, moi j'en ai souvent. Ouais, mais c'est des trucs de merde en général. Bon, pas toujours. Oh! Waouh! 5 par chaud plus 7. 20 pierres de raise. Ah, t'as ouvert le cube 70. Un gardien ancestral plus 6. Non, c'est pas un gardien ancestral. Ouais, c'est du réel. C'est une monture au hasard. Ah oui, non, c'est le 7, ouais. Et la Mio qui va disparaître au bout d'une semaine. Non, un jour. Non, 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 Quoi? c'est bien une semaine. Une semaine. La Et Mio. le stuff de l'Uriel, il a un temps ou pas? Le stuff de L'Oriel, non. Mais par contre, tu peux rien en faire avec. Tu peux pas l'améliorer. Ah merde, ça se cumule pas avec l'accessoire, ils auraient pu donner les accessoires, merde. Ah mais il le donne! Bah oui. Ah bah très bien. Ah Mais bah tu. voilà, j'ai mon stuff. Mais c'est un set de niveau 65. Si tu veux le set de niveau 70, il faut que tu recommences à zéro. Voilà, toujours ça de prix. Par contre, l'arme MK3 elle est mieux. Ah, pour toi. Hein. Bah, Bon, ouais, pour moi moi. j'utilise déjà la Mio. Moi aussi, je reprends tout ce que j'ai dans l'inventaire, que j'ai déposé. Je mets le vieil équipement en place. Comme ça là, pour un autre perso. Alors après, random quoi? Ah, c'est des pierres de. Alors, 3 cubes Comment tu. de graines d'arbre d'ailes. Ah ouais, c'est de la merde. Oh, ça te permet de nourrir ta putain de bestiole quand elle est en phase de Non, c'est 3 graines croissance. de l'arbre d'ailes par cube. D'accord, non, c'est Seulement. bien fait. Ouais, bah oui, c'est seulement 3. Ça m'en fait 26, c'est trop bien. Wow, fragment relique ticket silver E. Putain, ça donne beaucoup, ça, je crois. Le 7 de cube. Plus 6 gardien ancestral complet, c'est pas mal. Silver Fox Mio, comment je vais l'appeler? Firefox, évidemment. Moi je l'appelais C'est évident. Fuckyeah. On a fini Merde, gars. fini le speedrun. Ouais, mais elle a pas de roller à de ramassage. Bah non, il n'a pas le radar massage, tu croyais quoi? C'est une bestiole qui va pas rester longtemps. À l'infini, il n'y a pas de temps dessus.
En fait, il n'y a pas de temps dessus, mais c'est bien une semaine. Hein. Ah, d'accord, normal. Bah ouais. Alors, prends les quêtes de Lénir. Ouais. Évidemment, pas ce qui est en défi. Non. Ah, bizarrement, il n'y a Ah, que comme le... ça fait du bien. Ah, En plus, je suis bizarrement... stuff comme ça. Ah, bizarrement, il n'y a que le pantalon. Haha. Je change le pantalon avec celui du gardien ancestral. Et les chaussures aussi, ça marche. Ah, change tout, ça te donne l'effet d'ensemble en Ah ouais, plus. les gants, c'est pas mal. Et le haut, c'est de la merde. Non, mais tout sauf l'épée. C'est ça que j'ai fait. Oh, mec, Ah non, l'épée. le haut que j'ai, il est plus puissant que celui du gardien ancestral. Bah, faut que t'aies 5 pièces. Fais en sorte que t'aies juste 5 pièces pour avoir le bonus. C'est trop pratique. Que dalle. Du coup, ça donne 50 PM quand tu manques avec elle. Ouais. C'est trop bien. Kaioken. Je veux l'arme plus 70 maintenant. Plus 70. Je veux l'arme 70. Plus 70, mec, c'est. Ah, what? Et Non, j'ai. maintenant que j'ai économisé tous ces points, je peux mettre. Ah, il y a ça aussi. Je vais mettre tous mes points dans les passives. Équipement niveau 70. Available Plus d'attaque item. magique. Elle y est Encore pour plus 2 d'attaque magique. millions. Fuck yeah! 4 millions. Je l'achète. Oh, elle est niveau combien? J'ai pas regardé. Il y avait une plus 6 là. Plus 0. Oh génial, j'ai une plus 0. Pare-chaud plus 7. Où es-tu? Hop là. Je le verrai un peu plus tard. Hop là. Quand j'aurai le full stat déjà. Voilà. L'arme niveau 110. Et maintenant on va faire du dégât. Éclair. De toute manière, j'ai Va, la. Thunder. Attends. Gardien ancestral Claymore of Pénétration. Non, ne t'imagine rien. Il est temps de faire Oh. les dégâts de la chasse, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai juste envie de tester mon épée là. On fait en Kaioken, puis avec Kaioken. Enfin, dans l'inverse, d'abord en Attends, Kaioken. attends. Tu m'as dit on fait avec Kaioken puis avec Kaioken. On fait d'abord avec Kaioken et ensuite sans. Parce que là avant tu m'as dit on fait avec Kaioken puis après avec Kaioken. Comme J'ai ça, le dans. Kaioken, ça te fera le combo damage. Enfin, le meilleur combo et en dessous le combo normal, tu vois. Je suis juste Enfin, allé un en point de champ, comparaison. je suis juste allé en champ tester mon épée, comment elle est trop bien. Je veux taper avec au moins une fois cette épée. On va aller au temple du vent, c'est moins grand. Alors, fais voir le Kaioken. Et à 50 PM. Donc. Allez, remonte la pente, tu peux le faire. Ce qu'une reine ne peut pas faire. Waouh. Sauf que moi j'ai. Toi tu fais plusieurs dégâts. Bah, toi aussi, techniquement. Bah oui, mais comment tu veux qu'on se dise les chiffres, on prend lesquels? Tu prends en Kaioken puissant. C'est cumulé, hein, tu sais, ça calcule à chaque fois plus, hein, c'est un combo. Hein. Le chiffre au fond. Donc après, faut attendre que le Kaioken s'enlève et que l'autre surcharge, mais ça, tu feras une ellipse pour ça parce que ça fait une 2 minutes à attendre. Oh non, je pense pas. Oh, Bon, j'ai fait avec Kaioken. Ereda, élan de matchmaking. Oh, il y a des gens qui font Ereda. Trop fort. Ah, tiens, au fait, on a un message. Elle est stylée la Mio quand même. Oh, quand elle tombe, elle fait un T'as pas reçu le 360. ma t'as pas reçu le machin, You got Storm. Storm quelque chose. Je sais pas, je peux pas regarder là. Vous avez atteint le Je suis niveau dans l'entraînement. maximum. Ah, il y a un cadeau à la banque. À la banque. Ouais, pas à la banque, à la boîte aux lettres. Storm Strike. Ah. J'ai gagné Storm Strike. Attends. Elle n'existe pas dans mon inventaire. Elle est où? Storm Strike. C'est quoi? C'est même pas dans l'inventaire. C'est où alors? C'est un titre? Non, c'est pas un titre. Tu gagnes Storm Ça, Strike. Tu regarde gagnes en quoi? spécial, c'est Spécial? Non, c'est pas dans spécial, sinon j'aurais un carré jaune pour me dire qu'il y a quelque chose un de nouveau. titre. C'est pas un titre non plus. Avatar, C'est dans aucun. bestiole, monture. C'est que dalle. I am the Storm. Qu'est-ce que c'est que ça? Pet? Non.
Là, c'est peut-être dans le menu job. Bon, regarde quand même pour ta achat. Ouais. Ça a déjà fait un mètre de minutes. I am the storm, c'est pas un truc, une compétence cachée, non? Ouais, je peux monter ça. Ça. Ambition puissante, non. Déceler les faiblesses. Vous devez être niveau 75 pour apprendre ça. Sauf que moi je suis au niveau maximum. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Ouais, ah, je peux plus rien mettre, il me reste 2 points. Sérieux, y'a tout le monde qui m'a appelé à 20h quoi. Non, mais c'est quoi ces mecs? Et après, ça dit, tu veux jouer avec toi, y'a 2 personnes qui t'appellent 3 fois, tu sais. Sérieux? Mais oui, juste pour jouer à Minecraft, je suis sûr. Ah bon? Bon, attention, je teste. Sans Kaioken. Il est où ce I am the storm? Oh, ça fait 2 fois ma malle. Il le met à la banque ou quoi? Je sais pas. Attends, j'ai gagné I am the storm et je le trouve même pas. Bon, j'ai pris une photo vu que tu mets du temps. C'est pas une compétence de guild? Non, ça m'étonnerait. C'est pas un truc caché? Bon, va faire ta achat, je vais regarder. Attends. Comment ça tu vas regarder? Je vais regarder ce que c'est. Attends. Va faire ta achat en attendant pour voir la puissance. Ni dans les montures ni dans les pets, y'a pas. Fuck yeah. Je vais regarder, va faire ta achat. Attends. Ah, c'est peut-être une quête. Non, c'est pas une quête. C'est pas une vidéo. C'est rien, I am the storm. Storm Strike, c'était pas I am the... Ouais, c'était Storm Strike, tu l'as trouvé? Bah non, c'est marqué Storm Strike. Ah, tu l'as eu à la banque. Mais va faire ta compétence. Non, j'y vais. Je regarde. Comment tu regardes? Je regarde, va faire ta compétence. Hein? Ah, ça c'est mon titre à moi. Tispet, Armas. Voilà. I am the Storm, c'est un titre. Ah bon? Mais ça n'a rien à voir avec Storm Strike. Bah oui, justement, c'est de ça que je parle. Hein? Storm Strike, I am the Storm, je suis trompé. Bah, on va voir. Bon, alors. Champignon, c'est tout. Wall Domination, je peux me battre contre un mini boss. Merde. Butcher à nu. Ça c'est le nom, ne me dérange pas. J'ai contre un. Singe en bois, grand singe en bois. Large Wood Monkey. Alors ça j'en mourrai. Combo damage. Comment on met les combos damage à 0? Je sais pas. Ah, ça me fait chier. Combo damage. Mais au pire tu tapes et puis ça les remettra à 0. Ça remettra le prix de le coup d'un coup. Oh. Décor graphique, non. I, ah non, c'est la routeur, U, non. Y. R, E. Oh, la Mio qui rajoute des dégâts, attends. Je suis rentré dans le million de dégâts, là. Moi aussi. Deux millions. J'essaye un truc si j'arrive à aller jusqu'aux 10 millions. Mais non, mais fais ta achat. Bah mec, c'est un peu tard pour les machins de l'achat là. Parce que les dégâts, ils sont pas à 0. Mais t'as juste à faire ta achat et puis ça remettait à jour. Attends. Ta achat, elle fait environ plus de 2 millions qu'à week-end, donc ça passait. Attends. Faut pas que je m'arrête. Et une deuxième fois, lame infinie, j'adore. Ah, ils sont là, les skill cutting. Hein? Les skill cutting, on peut les régler ici. Mordel. Ah,
shit, trop tard. Bon bah j'ai presque réussi à aller aux 6 millions. Bon bah, je vais faire ma achat maintenant. Non parce que ça fera plus trop de dégâts. Faut que tu enlèves-toi et reviens. Je quitte. Free training. Normalement il devrait déjà être configuré pour le singe en bois là. Non. Non il met tout à zéro. D'ailleurs au fait les champignons est-ce qu'ils ont été est-ce qu'ils ont de nouveau la vie infinie? Ils n'ont jamais eu vie infinie. Non, 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 ils ont pas de vie infinie. Pour ça, les singes en bois, c'est mieux. Avant, ils avaient. Alors, ils ont 260. Les champignons, ils ont 266 197 de vie. Ah. Je l'ai tué avec tous mes combos possibles et voilà ce que ça lui fait. T'imagines ça dans Pokémon? Le mec, il est invincible, quoi. Ah, et bah du coup, maintenant j'ai touché au combo. Bon, c'était pour voir. Bon, cette fois-ci, on fait pas le con. Avec ou sans booster? Tu fais d'abord avec et ensuite sans. D'abord avec et après sans. C'est le grand singe hein, en bois. Ouais. Mais t'en mets que un, pas deux. Ah bah, je peux en mettre 5 sinon. Ah non mais sinon c'est sûr que t'es plus puissant. C'est clair. On le met niveau 70 hein. Oh moi je mets. Enfin j'allais pas toucher ça. Ouais, je peux le mettre niveau 80. Il aura plus de défense, je crois. Ah beaucoup même. Voilà, j'ai tout réinitialisé. Qu'est-ce que ça a fait? Ah ça affiche la TH le fils. Je savais pas. Bon. Je vais lancer ma HA du coup. Avec ou sans booster? On commence avec ou sans booster déjà? Tu commences avec. Avec. C'est parti! Ça fait. C'est tout! 1 324 937. En booster? Oui. Oh bah putain. T'as combien toi? Moi j'avais 2 600. Sérieux? Tu l'as mis niveau 2? Oui. Bon merde. J'ai... Mon arbre c'est MK3 plus 7 hein. Mais merde. Moi j'ai carrément mis la clé mort de Caris. Niveau 7. Plus 7. Et au début je croyais que c'était à cause de Mio, tu vois, que je tapais autant, mais après j'ai fait 100 Kaioken et c'était pile deux fois moins puissant, tu vois. Donc je me dis Mio a rien à voir là-dedans. Ouais et là c'est pas Mio non plus. Oh, putain, bon bah c'est... voilà, c'est moi qui ai la plus grosse. C'était sérieux? Mais comment j'augmente cette merde? Il y en a, je sais pas comment il y en a qui font pour one shot des boss hyper puissants avec une avec la même HA. Après, ouais. Toutes les HA n'ont pas la même puissance. Hein. Je sais. Ah, c'est peut-être un truc dans les fêtes des personnages. Mmh. I am the storm. Non. On gagne un truc, on sait même pas ce que c'est, ils nous le disent même pas. Haha. Sprite Sword. Ah bah dis donc. C'est génial. Oh merde. Je vais le mettre niveau 60, ça sera plus simple. Dégage. Et tu reviens. Alors. Bon, on se fait essayer de tenir. Attends. Là, je viens parler. Je sais plus ce que je cherche. Pas... J'essaie de buter un Wall Domination niveau 60. Bah tiens, on va faire simple. Est-ce que la HA peut le tuer? Les F... Ouais, je sais, ça fait apparaître la TH à chaque fois que j'appuie sur F6. Ah bah, il me reste encore 15 secondes avant la fin du cooldown. Ah merde, il peut invoquer des créatures.
je voulais pas qu'il invoque ça. T'imagines la carte des bons dominations, quoi. Trop résistant, ce mec. Wow, sans la Mio, je l'aurais pas tué. Maintenant, on va essayer un truc encore plus dur. 5 wall domination au niveau 80. Merde, je termine Ovi sans faire exprès. Merde, c'est juste immortel. Et à chaque fois que t'en tues un, bah t'en as un autre qui revient. Bon, allez, il est temps d'arrêter les conneries. On y va? Ouais, je voulais regarder ce que c'était le truc sur un forum. Tant pis. Oh, tu verras ça plus tard. Ouais. Ça, je discarde. Ça aussi, je vais discard. Tiens, c'est pas con ça, le shard. Ah, je vais l'utiliser sur mon épée. Moi, j'ai vent de flamme, c'est pratique. Item use successful. Ah bah tiens, tant qu'on y est, je vais la... Toi ton épée, tu l'avais comme ça ou elle était sertie enchantée? Celle que j'ai, je l'ai sertie enchantée. Avant ou après le free training? Hein? Tu l'as sertie avant ou après le free training? Bah avant. Maintenant je comprends pourquoi j'ai fait moins de dégâts que toi. Parce que la mienne, elle était pas sertie, elle était pas enchantée. L'effet choc, ça augmente pas les dégâts, et puis elle est juste enchantée, dommage supplémentaire 600. Ah bah voilà. Je pense pas ça fait 1 million. Hein. Ça, je sais pas. Ah, moi je suis sûr. Hein. Et t'avais un titre, ça doit aussi... Ah, ça, c'est surtout le titre qui fait ça. C'est le titre que t'as au-dessus de ta tête, là, avec le cœur, c'est ça. Ouais, attaque magique plus 16. Bah, et ben, si tu rajoutes ça, 16 combien pour cent? 16 tout court, c'est de la merde. Non, ça peut que être des pourcents. Ça m'étonnerait. 16% serait trop cheaté, t'es fou. Bah justement. Moi je crois que c'est 16 tout court. Hein. Ça m'étonnerait pas. C'est 16 tout court. Hein. Ouais, ouais, avec power boost, duration 7+5. Tu devrais réessayer avec une épée toute simple, sans titre. Et je suis sûr que là tu vas voir que les dégâts vont... Bah mon épée c'est la même que la tienne, plus 7 sûr, ouais. Je suis sûr que si tu refais ça sans ces trucs là, les dégâts vont être considérablement réduits. Bah t'es quoi, on fait ça no stuff, rien du tout, même pas d'accessoires. Ah ouais, pas con. D'accord, j'ai plus de place dans les accessoires à cause des trucs de merde. On laisse les promotionnels ou pas? Non. On donne des bonus de coups critiques. Ok, on enlève tout et on se met nos titres. Voilà, et on fait juste en Kaioken, on fait pas les deux parce que c'est deux fois moins puissant donc. Voilà. Voilà, j'ai enlevé les trucs moches en plus. Voilà. No title. Voilà, je suis complètement à poil. C'est où? Là. Vérification. On enlève Mio. Ouais. Subanning, ouais. Vérification. Des deux. C'est bon. T'as jamais fait de PVP, lol. Qui? Toi. Moi, non. M'intéresse pas. Ça, je peux dire. Ouah, la lenteur! J'ai l'impression de jouer au ralenti. Ah, bah, tu vois, ça fait tout de suite la différence là. Hein. Ah, mais c'est la lenteur, c'est pas les dégâts. Attends. Ah, c'est injouable. On réessaye. Bon, on touche pas au niveau du machin, mais le Large Wood Monkey. Ouais. Et moi je dois appuyer deux fois parce que ça enlève, ça remet la TH à chaque fois. Moi je fais la molette, c'est plus simple. La molette. Ouais. Pour changer de truc large monkey. Ouais, mais ça zoome en même temps, c'est chiant. Ah, pas moi. Moi ça zoome en même temps. Allez, large wood monkey, je suis prêt. Putain, mais qu'est-ce... Il y a un wood monkey qui reste avec le large wood monkey. Bug. Enlève-le et remets-le dans la liste. Ils vont tous les deux s'enlever et ils vont se remettre. Non, mais c'est ce que je viens de faire. Hein. J'ai changé le machin en wall domination et ça. Bah, le petit singe là il est pas mort. Bah, reviens et repart. C'est ce que je viens de faire là. Je remets le large wood monkey. Un seul monstre, voilà. Évidemment, on fait ça. J'espère juste que ça coupe pas. Hein.
Alors, t'as fait combien? 236 000. Avec l'achat? Ouais. 236 000! Je te promets, c'est de la merde. Alors, à mon tour, j'espère que cette fois-ci ça va être mieux. Non, c'est pas bon, c'est pas bon! Combien? 133 000. Ah, là, j'ai la meilleure. Oh putain. Ouais, c'est selon le perso en fait. Ouais, je l'avais dit. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui arrivent à augmenter cet achat à bon. À donf? Y en a qui arrivent à augmenter tellement la charge, je sais pas comment ils font, mais ils te dépassent de deux fois. Hein. Avec tout ton stuff. Hein. Je sais pas ça comment ils font. C'est quel perso? Bah, le mien. Ah, d'accord. Je sais pas comment ils font, mais j'aimerais savoir. Bon, je te réinvite. Attends, je remets Mio. Ah ouais, maintenant ça me dit qu'elle dure que 6 jours. Tu vois? Bah, c'est gentil de me prévenir que maintenant, quoi. Une fois que je l'ai enlevé et que je l'ai remis. Tiens, j'ai déjà 120 fragments d'espace-temps. Bon, je lance celui de Elder, attends, ça doit être plus facile. Elder? Je croyais qu'on faisait Nir. Ouais, mais je lance les Nir de Elder. Ça sera plus facile. Ça change rien. Hein. Non, je déconne, je suis pas aussi con que ça. J'ai mon IHA au boss. À Tokar. Tu peux y aller, hein. Je pense pas que ça le tue. On verra. Tu le touches pas. Attends, il manque des trucs. Ah ouais, ça le tue pas. Hein. Ah non. Il a résisté. Bah, avec moi, il lui a resté un quart de sa barre de vie en fait. D'accord, j'ai un meilleur à chaque fois. Putain, faut ramasser les pièces, ça va me faire bizarre. Ouais. En plus, avec tous les temps de chargement, ma HA va recharger vite fait. Et maintenant, on se le clear au plus vite avant de terminer cette vidéo. Je vais une carte. Oups, j'ai tué un champignon et un boss macaque qui est à moitié mort. À la base, t'étais un vrai boss, mais tu es devenu nul. Non. Mec, c'est trop bizarre. Le champignon, il a la barre de vie. Il est beaucoup plus faible que l'autre singe qui a même pas de barre de vie. Ouais, c'est ça, c'est le favoritisme. La douleur. Ouais, bah, ça serait bien que les barres s'actualisent un peu plus rapidement. Laissez-moi prendre le poulet. On est nul. Ça fait à peine une minute qu'on est là. On devrait déjà être à Sender. Bah, utilise ta monture. On devrait déjà être à Sender. Putain, ma Mio, elle a tout dégommé là. Oh, je sais pas. T'as ma Mio, elle a fait. Je te bute du doigt. D'accord. Ah, je savais, ici, il y a mon cousin et mon frère qui voulaient faire un donjon. On a fait juste les 3 points de donjon et je me suis cassé. Tu t'es cassé? J'ai fait la porte de gauche. Ah ouais. J'ai tapé la porte de gauche comme ça. Je fais bon, on a fait Aignan, on peut continuer XP. T'étais pas allé jusqu'au bout, ils t'ont fait chier après? Non, même pas. Je pensais, mais non. Ah si, quand même, j'arrive à les tuer. Ah d'accord, Tokar est plus résistant qu'un petit truc, quoi. Oh ouais, c'est vrai. Et j'ai tué Raven en un seul coup. Je viens de one-shot Raven, là. Tu es faible. Eh, ça prouve que tu es faible. Ce qui est pas Rodax, hein, parce qu'on tue... Oh, je comprends plus rien moi-même. Tu me one-shot, alors j'ai un meilleur ultra que toi, mais j'arrive pas à one-shot Tokar. Qui lui est le premier boss. Non plus j'arrive pas à le one shot. What? J'ai rien compris. L'ennemi le plus pourri du jeu résiste à l'attaque la plus puissante du jeu. J'ai jamais compris ça. Bah, c'est censé être le plus pourri. Bah oui. Ça se trouve on le verra dans le dernier donjon, tu enverras Tokar le retour. Et il verra en fait j'étais un cyborg de Moyen-Orient. C'est méga. C'est méga Tokar, tu sais. Deux fois plus volumineux que Beruth. C'est la transformation. Allez, brûlez mes clients. On aurait pu le tuer avec notre achat si on l'avait pas utilisé avant. Non, parce que ça fait plein de petits coups. Ah, ouais, et il serait TP avant. Faut faire un gros coup sur ce boss. Ouais, comme les Nir. C'est pour ça que j'ai fait mon, ouais, mon 200 PM. Ouais, mais les Nir, ça fait. Les Nir. Les achats, ça fait toujours des petits coups. Ouais. Pour ça, attention. Faire cette attaque, c'est la mieux. Regarde, tu vois, il a perdu la vie, il va mourir mais en l'air. C'est chiant. Il faut les brûler quand ils s'en vont, comme ça au moins on est sûr qu'ils vont crever. Ah d'accord, ils perdent pas de vie, du coup ils meurent pas quoi. En fait ils sont invulnérables, tu vas même pas les empoisonner. Sérieux? Bah attention, ouais, normalement ils seraient censés perdre de la vie. On attend d'abord, il y a le petit bug. Ah non. Bon. T'es malade toi, tu fais ton 150 PM.
s'en fout quoi, et il est mort avec ça, tant mieux. Ça va plus vite. Oh, ça fait, on dirait tu l'éclaires dans le chargement. Ah bon? Genre il y a le laser mais pas totalement à fond, du coup on dirait un vieil éclairage de lampe. Hein, ah. Comme j'avais pas rien en mettant mon Kaioken qui me donne 150 PM, j'avais oublié. Oh, sur ce boss je fais mon achat obligé. Ah bah fais-la parce que j'ai pas envie de recommencer une deuxième fois ces générateurs. Et je rajoute une couche parce que voilà, je ne suis sûr qu'il avait pas crevé. Toker, sort de ce corps. Non mais lui c'est normal, t'as vu comment il est gigantesque. Ouais, attends, c'est un roi quoi. Voilà, Eltrion c'est sûr. Faute, si je suis comme ça. Tu vois, Eltrion il est juste 10 fois plus gros que lui et quand tu le touches avec ta hacha, bah ça le chatouille. Ouais. Lui c'est tu m'as fait une attaque qui a détruit la planète, tu m'as chatouillé. Rien à foutre. Ok d'accord. En plus tu traverses la porte, tu sais bien qu'il faut attendre que les cubes arrêtent de tourner. Mais c'est parce qu'il me donne de la mana alors j'utilise. Moi je la garde, c'est précieux. Il me donne un aura de lumière en plus, ça augmente l'attaque je crois. Je sais pas. C'est marqué dessus. Alors on attend qu'il se lève parce que sinon ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah là ils sont debout. Ça augmente l'attaque ouais. Dégâts. Ya. Allez brûlez mes crayons. On voulait du Ryan nous. Du Ryan? Ouais. Benzetti? C'est le boss d'entrée du temple. Ryan? Du ah, Ryan. Du Ryan, ouais. Du Ryan, pas du Ryan. Moi je dis Ryan. Parce que je connaissais un mec qui s'appelait Ryan. Oh non. Ah, j'ai envie de le faire. Nickel! Toi, ils sont marqués en rouge, sans déconner. Bah oui. Ça c'est de notre niveau. Bah non, justement, ça augmente au fil du temps. Comme quoi, hein, Tokar il peut pas être que niveau 70. Hein. Je comprends pourquoi il rajoute une hacha. Ouais, bon, celui de droite, on le laisse en vie. Hein. Droite? Ouais, celui que je tape, on le laisse en vie. Ouais, sauf que moi, je suis déjà tombé plusieurs fois dedans. Non, Mio! Non, assassin! Ah, celui du milieu est mort! Celui de droite aussi, fait chier. Non, t'es sérieux? Oui, l'assassin l'a HP. Ah, t'es espèce de con! Tu mérites la mort pour ça. Et justement, si tu fais une hacha, tu le touches deux fois. Une fois à la racine et une fois à la tête. Sauf que là, je l'ai pas, je l'ai utilisé au demi. C'est bon, et retourne-toi. Ah, j'ai d'accord, je l'ai quand même touché. Normal. Tu sais ce qui serait bien? Beyruth. C'est qu'il a des chances de vie. Oh, les hachas sur le Beyruth. On peut le tuer. Non, il fait son warg. Non, 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 ça marche avec les hachas. Ah ouais? Ouais, ça marche, j'ai déjà essayé. Tu peux le tuer avec une hacha. Oh shit. Et là, heureusement que j'ai l'Oberon parce que justement, c'est super utile contre ce fucking Cortizac. Ouais, mais c'est quoi cette vie, quoi? Proéminence, humeur. Tant mieux. J'imaginais beaucoup plus résistant. Oh, je peux utiliser ma hacha, y a plus de cooldown. Franchement, il me déçoit. Ouais, moi aussi, un cooldown de 20. Popo, allez, je prends celui de droite. Tu bouges pas. Non, il est parti! Ah non, il est dedans, t'as vu ça? Hein. Je lui ai enlevé 4 barres. Mmh. Attends. Ah bah non, j'ai touché l'autre avec. Ouais, t'as touché les deux, mais c'est rien. Parce que. Bon, moi j'ai pas mon ultime, alors je fais proéminence. Ils sont partis de la 12ème barre. Ah merde, c'est vrai, ils résistent à proéminence du coup. Ils sont partis de la 12ème barre à la 8ème barre quand même. Hein. Mmh. Ça fait 4 barres. Hein. Sur Beyruth quoi. Mmh. Je sais pas si tu fais mieux, mais. Je peux toujours essayer. Sauf qu'il y en a un qui sera mort avant. Ah, celui-là il est mort. Voilà. Oh, la Mio. Et celui-là j'ai pas envie de l'utiliser pour ce qui reste. Hein. Ouais, bah, il faut est mort. Je fais un 200 PM, il meurt alors. Bah en même temps, je tape en même temps, tu sais. Hein. Il est assez gros pour que je le tue facilement avec mon dragon. Bon, par contre, j'enlève les pierres d'amélioration d'armes niveau 1 qui te. Pierres d'amélioration d'armes niveau 1. Ah, oui, c'est vrai, on gagne aussi de la merde en tuant ces boss de merde. Ah, oh, fais chier. Ouais. Ah, 10 ans plus tard. Et le pire, c'est que quand on gagne la queue de Beyruth, elle a pas la même taille que la véritable. Ouais. Elle a rétréci au lavage ou quoi? Ça ferait un peu bizarre quoi. Peut-être que tu travailles dans le donjon. C'est quoi cette queue qui fait 3 mètres de long? Ah, c'est celle de Beyruth, je l'ai coupée, je me l'ai mis à mon cul. Ça veut rien dire quoi. Le mec s'est collé la queue de Beyruth sur son cul. Quand même, faut le faire.
Chloé. Chloé. Trois Chloé. Chloé, Bon, pourquoi je m'en Chloé? fais. Non, elle m'a bouffé mon achat! Le Ah non, par cancel. contre, ça fout les nerfs. Ça, c'est super. Elle fait un bruit bizarre quand tu la tapes, on dirait qu'elle queen. Ouais, c'est. Ça, c'est comme les petits canards Pire que jaunes. la FR, quoi. Non, non, la FR, ça fait ah, c'est chiant. Non, sur la FR, elle fait pas. Ah, elle fait. Ce qu'elle fait. Bah, elle Je me crie. serais pas pire que ça, quoi. Elle crie à chaque fois que tu la tapes. Ah, Devine qui c'est qui vient après. Le pantin. le truc bandeau là, ouais. Et après, il Pantin. y a Spriggan. Celui-là, faut qu'on se le dépêche parce que sinon les trous noirs vont nous faire chier. Ouais. Parce qu'ils sont, n'oublie pas qu'ils sont cheatés, les trous noirs. Et en plus, vu qu'ils sont de notre niveau, ça va être encore plus cheaté. Même plus! Ouais, j'ai fait. Ils montent jusqu'au niveau 80 à peu près. Hein. Normal. Bah oui, tu vois bien qu'ils sont rouges. Ça veut dire qu'ils ont plus de 3 levels de plus que nous, je crois. Attends, on va le tuer celui-là. Et par la même occasion, lui avec. J'adore ce dragon. 50 PM. J'adore mon ensemble. Yeah. T'as pas une attaque à 20 PM. 10 PM. Qui est pas très cher. Quoi? Une attaque à 10 PM qui fait du dégât. Beaucoup de dégâts. Oh non, ceux-là. Même pas le temps de se présenter, tu vois. On est Spriggan, ta gueule. Bonjour, je suis ta gueule. C'est bonjour, je suis Achat dans la gueule. C'est comme Ah, par contre, Yu-Gi-Oh! dans mon tour, j'utiliserai plus Verramel. C'est comme dans Yu-Gi-Oh! Je vais te battre, mais t'as 0 point de vie, t'as déjà perdu. Mais merde, j'ai même pas commencé le duel, c'est normal, je t'ai battu. Je t'ai battu mentalement. Normal. C'est comme Freezer. Sur Dragon Ball Multiverse, là, ils font un combat mental où Sangoku devient vieux. What? Et il arrive quand même à faire exploser la tête de Freezer, puis après, tu vois le vrai combat. Sangoku, il donne un coup à Freezer et il tombe par terre, il est KO. J'adore, c'est n'importe quoi. Ouh là là, celui-là il va être chiant maintenant. Oh, fait chier. Moins chiant que les Spriggan, mais quand même. Il a Bon, quand même. bah, j'ai activé ma monture. Et c'est quand même bizarre que dans les donjons il a 14 barres de vie et là il en a 27. C'est pas normal. Parce que c'est faut que ce soit plus dur. Ouais, dépêche-toi, j'ai une carte à mettre, merde. Et surtout que ça fait augmenter notre timer, regarde, le timer il continue, il en a rien à foutre. Hein. Ah d'accord, ça a Moi utilisé j'attends ma pas. carte, mais sans l'utiliser. C'est juste utiliser le cooldown de ma carte, c'est génial. C'est con, aïe. Ça c'est chiant. Et il a utilisé F au lieu. Putain, mais il fait tout au ralenti, quoi. Il utilise la monture 10 ans après que je l'ai invoqué, quoi. T'as déjà aussi vu le truc comme quoi il inverse tes deux barres de compétences? Merci. Hein? Merci, hein, Il a non. déjà inversé tes barres A et barre B? Non. Mettre les attaques du haut envers le bas et les attaques du bas vers le haut? En donjon? Ouais, n'importe En où, n'importe où. village? N'importe où. En village, c'est normal, ça dépend de la dernière fois où tu l'as utilisé. En village. Ça dépend. Ça dépend par rapport au cas sauté quand t'as fini le donjon, quoi. Là où t'es quand tu finis le donjon, parce que bizarrement, des fois. Ça fait monter et descendre les. Ça échange les capacités du haut avec les capacités du bas sans que tu appuies Par sur exemple, moi. espace. Sans que Par tu appuies exemple, sur moi. espace. Hein? Ah, bah, ça m'est jamais arrivé. Sans appuyer sur espace quoi. Moi ça m'arrive tout le temps quasiment. C'est pas possible que ça t'ait pas arrivé quoi. Moi, non. Oh déjà 3 barres de Sur un vie. jeu. Ouais, il est mort. Oh cool. T'as Spriggan il a mis deux fois plus de temps quand même. Voilà, petit bug amusant. Toi tu lags. Ne me dis pas que tu vas quitter. Youpi. Me dis pas que tu vas quitter. Si. Non, je connais. Ouais, j'espère Non. bien. J'aime pas ça là, parce que là ça fait déjà J'espère bien. un. Là ça fait. C'est pas bon du tout. Ben le problème c'est que bah. Si tu quittes en plein Ennir, bah on va faire une coupure jusqu'à ce que tu reviennes. Bah non, mais c'est bon, c'est Jusqu'au juste bon le lag endroit. de l'ordi. Lac de l'ordi. Je regarde si je peux fermer des trucs. Mais au cas où, si jamais il y en a un ou deux qui se déco pour bug, bah du coup on reviendra au Ennir là où on était. Oh bah non, faut pas que je bug, hein.
Ah, j'espère bien. Ah, bah d'accord, j'avais Minecraft ouvert. D'accord, merci le jeu, le truc qui met 100 ans à s'ouvrir. Ah bah Minecraft ça a toujours mis 100 ans à s'ouvrir. T'as des mods dessus ou quoi? Ouais, c'est un serveur modé. Serveur C'est modé? pour rendre service à quelqu'un en plus. Tu fais un serveur modé? Ouais, mais c'est pour rendre service à quelqu'un aussi, veut faire un truc et tout. Mais moi j'ai En le mien. fait, si ça me fait laguer, laisse tomber. J'ai fermé. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Ah ouais, d'ailleurs faut que je télécharge un logiciel de FTP. Bon, non, on en stun un d'abord. Que ça en fasse un de moins. Non, mais il y avait un truc là. Ah oui, c'est vrai, on ramasse plus. Il y avait une myrtille et un. Chez moi, un Et poulet. une poire, quoi, c'est important. Chez moi, c'est une poire et un poulet. Les pépés, comme on peut Ouais, moi dire. aussi un poulet. Et les pépés. T'as combien de pépés? De quoi? Des pépés. Des poires et poulets. Fruits. Et vitamine D. Et fer aussi. Protéines aussi. Allez. C'est chiant que quand ils font leur laser, nous on peut pas attaquer avec les montures. Ouais, tu vas même pas faire d'attaque, tu peux juste faire W quand t'as pas de monture. Ouais. Putain, les dragons dans l'eau, c'est juste horrible. Éclair. Ah non! Ah d'accord. Merci ma vie qui m'a dit fuck. Ah, je peux même pas lui manquer, ok, génial. Ta vie, elle t'a mis, elle t'a dit, va te faire foutre là, j'en ai marre de, j'en ai marre de te garder en vie maintenant, tu vas crever. Ah, y en a un de moins. Yeah! Non, moi je vais manquer, ok, il meurt. Allez, s'il vous C'est ce qu'il plaît, est. quoi. Mettez-nous les dolos, s'il vous plaît, mettez-nous les dolos. Ah, je suis censé être gelé, d'accord. Mais les dolos, s'il vous plaît. Évidemment, ils nous mettent l'autre, comme par hasard. Ouais, il est pas si chiant que ça, hein. Surtout si Non! tu fais l'ultra dans le vide, hein. Non, non, je l'ai touché. Il a perdu 2 barres et demie. Ah non, il a perdu plus Bon, que ça. d'accord, j'arrive plus avec proéminence, quoi. Ouais, mais en même temps, les premières attaques ne l'ont pas touché. Oh, quand je l'ai bugué dans son attaque. C'est pas parce que ton perso est masculin qu'il est forcément plus fort. Si. Non! Ça veut rien dire. Rien à foutre du boost, du bot, du double. Ben justement, l'original est mort. Voilà, en plus. En plus, les autres, ils sont marqués en orange, quoi. S'il te plaît, la logique des gens. Ben ouais, et en plus, tu vois bien qu'ils ont la barre pleine. Encore, tu vois, s'ils avaient mis exactement les mêmes skins, parce qu'en plus, on les voit, ils sont plus sombres. Et qu'ils mettent. Oh non, on a Avalanche! Oh merde. Mais ça, Valence, je me le tape tout le temps. Moi, j'ai eu Mag Mental la dernière fois, hein. C'était beaucoup plus facile, hein. Ils sont allés seulement 2 fois derrière. Ah non, la Magmanta, Mais non, je c'est veux encore passer pire. derrière, je veux passer derrière, il y a des trucs! Dégage! Allez, va dans l'arrière-plan! Allez, dégage! Dépêche-toi! Voilà, c'est bon, il est parti. Et putain, ça a des pop! Non. Ça a des pop, putain d'enculé! Bon, fais bouclier et main, assassin. Bouclier. Non, va te faire. Ah, il en a pris un. Bouclier. Non, casse-toi, Je reviens. commence à Ouais, avoir il s'en est pris deux. Bouclier. Ah, bah, carrément, les petits, ils vont sur lui, quoi. Je cherche même plus à comprendre. J'ai Bon, pas du mis de coup, il a perdu la carte. moitié de sa vie. Pour consumable. Ah ouais, j'ai des cartes de Ariès. J'ai ça. J'ai des recovery potions qui ont rien à foutre là. Tiens, j'ai des world machin, un truc à la con. Voilà. Et après, c'est des cartes de mini-boss. Enfin, quoique, non. J'ai que world domination en fait. Merde, bam bam bam. Déjà? Ça c'est barré avant la fin. Putain, Bah mais je fais mon sérieux? ultra, il a perdu ses barres de vie. Il ira 3 fois, je t'ai dit. 3 fois, il ira derrière. S'il va pas 3 fois, il ira même s'il a besoin d'un coup pour crever. Non, le bouclier Emma il est mort. Comment je vais faire? Ah bah je cours. Ben, tu utilises un bouclier non humain. T'as raison, bouclier Nazod. Ah merde, ils m'ont gelé. Putain, s'il va 3 fois, une troisième fois là, je crois que je vais péter une pile. Hein. Mais bon. Non, je vais pas dire ça parce que sinon je vais péter vraiment une pile. Non mais tu peux t'y attendre, hein. Bah oui, il va y aller 3 fois, mais s'il y va une quatrième fois, là ouais. 3 fois, t'as vu? Il y va vraiment Quatrième fois, quand. il y a moyen, hein. Non, 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 non. Il le fera pas. Merde, il y avait des pièges. Eh ouais. Youhou! C'est bien ça, parce que les missiles qui vont de gauche à droite, Putain de ben piège. ils peuvent pas aller Non, d'un tous les bout à missiles qui l'autre. vont sur toi. Ah, putain. Aïe! Faut pas aller au bout, d'accord.
Non, Aïe. Ah non. putain! Putain, d'accord, faut pas se croiser en fait. Oh, ma hacha, elle est prête. Aïe. Non, t'es Ah, c'est mat. sérieux? Je l'ai même pas vu Ah, bah arriver toi aussi. ça! T'es sérieux? D'où elle sort cette puli? Je l'ai même pas vu! S'il vous plaît, tuez-le! Bon, c'est clair, là, ultra plus mon 200 PM qui brûle. Attends, t'es Ouais. sérieux quoi? Attends, il lui restait une demi-barre, il fallait qu'il laisse ça quoi. Et il est passé de 6 à 1, 0,5. Oh non, pas lui. Je peux utiliser mes objets, c'est bien. Miscuchi. Ah, mes skins, je peux utiliser mes objets. Oh bah, tout de suite. Bougez plus. Parfait. Ouais, enfin non, pas tellement. Bien. Ah! Ils vont de nous refaire ces power boosters là. Hop là, déjà un qui a un son stoïque. Putain, deux belles messes quoi. Heureusement qu'il n'y a pas deux caries, sinon là je deviendrais fou. Heureusement qu'à Sender, il y a un exemplaire de chaque mob quoi. Ouais. T'imaginerais deux tractats. Oh putain, t'en as deux qui volent la vie du même gars quoi. Je suis coincé. Ou alors t'as deux carous, t'as deux explosions dans le cul, t'as deux points, deux Falcon Punch dans le cul. Trop fort quoi. Ah oh, vas-y, le bug qui me fait tirer à droite. Ah, il y en a un qui a son power booster. Vas-y, on en. L'autre qui tape dans le vide. Génial. Vas-y, on en aggro un. Comment? Bah, comme ça, on en tue déjà un, comme ça fait un de moins. Bouge pas, bouge pas. Merde. Moi, je peux parce que lui, hop. Putain. Ouais, il m'a fait voler lui. Salut. Météore. Oh là là! Il y a destin funèbre! Ouais, bah double dessin plus rap, s'il te plaît. Tu t'es tout pris dans la gueule. Putain, on est au niveau. Attends. Ils sont orange, les comtes Belmez. J'y crois pas. Alors que t'as vu que tout à l'heure, il y en a un qui était même pas orange. Il était Fort rouge. heureux. C'est bizarre que comtes Belmez, Je vole. il soit pas rouge. Je vole. Non, mais d'où? Allez, on les achève là. Hop, petite attaque C là, ça devrait en tuer au moins un. Voilà. Et le deuxième, on Juste mon l'achève. attaque. Voilà. Ton attaque qui a réduit le reste de sa barre de vie à zéro. Exact. Et on part pour Valdo. Enfin, j'espère. Je veux pas l'autre. Ouais, faut attendre que les cubes arrêtent de tourner. Merci, je savais pas. Tu tapes dans le vide depuis tout à l'heure. Ça me fait rire. Oh, yes, on a Valdo. Petit achat dans sa gueule. Ah, ben non! Putain, de la main finie. Oh, elle a rien foutu. Tâche. Aïe, aïe, la mienne n'est pas prête. Ah, mais. Ouais, mais la caméra, quoi! La caméra, il s'est dit, bon, je vais attendre qu'il revienne, quoi. Ça, s'il vous plaît, quoi. Le technicien, il est où? Que je le tue. J'adore, tu vois, quand t'as le char, t'as les missiles qui vont automatiquement sur les rochers à la place de Valdo. C'est chiant. Oh la Mio, qui lui enlève 3 barres. Ah merde, j'ai plus de monture. Quand même faible, hein. Valdo? Par rapport à avant. Bah tu sais, on est niveau 110. Hein. Fait plaisir. Dans moins de 30 secondes, il est mort. Du moins, j'espère. Fait plus de Oh 30 merde, minutes. merde, 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 merde. Fuck. Tu l'as pas eu. Enfin si, tu l'as eu justement. Si. Je l'ai vu au dernier moment. T'as juste à te mettre là et c'est bon. Hein. Ouais, mais bon, j'étais en animation. Mais moi aussi, pourtant, j'ai quand même réussi à y aller. Allez, suivant. Ouah, il a même pas réussi à faire son coup. Par contre, on se prend le feu, mais il n'y a pas de dégâts. Si. Moi, j'ai pas reçu. Bah, moi, je m'en prends des dégâts du feu. Ah, t'es encore dans le feu? Non, c'est juste parce que je marchais dessus. Ah. Parce qu'on va D'accord, bizarrement dedans. envole-toi. Allez! Tracta! Putain, celui-là, il faut qu'on le gère au plus vite. Avant qu'il fasse ses conneries. Moi, je dis, dès qu'on a nos achats, on les lance tous les deux en même temps. Ça va lui faire double de dégâts. 80 secondes. Ah. Bon, bah, je t'attends là. Ah non! Il est Faut parti où? sauter. Merde, il est parti trop haut!
Merde, je l'atteins pas. Ah, il se téléporte. Oh non, putain. Mais t'es sérieux? Oh, oh. Mais le pire, c'est qu'il fait ça tout le temps, quoi. Au début, il y a que 3 tracks, je crois, non? Oui. Après, il y en a 4, puis 5. Il le fera tout le temps. 3 fois. Comme Avalanche, tu vois. On a trouvé un copain d'Avalanche. Finalement, il n'y aura pas besoin de faire nos achats sur lui. On les fera sur Karu. Histoire de lui donner une bonne correction avant de passer à Caris, l'infernal. Bon, faut juste pas rater Karu, quoi, parce que lui, il est capable de se téléporter, quoi. Allez, encore un fucking Trax. Pendant que Tarakta prend aussi des dégâts, c'est très bien. Mais attaque toi, connasse! Non! Tiens, prends ça toi! Oh la Mio! Putain! Ah, t'es sérieux? Mais merde quoi! T'as lancé un javelot? Non, même pas. C'est mon IO. Ah bon? Parce que t'as enlevé. Hyper mal. T'as enlevé une demi-vie à tous les Trax. Mais bon, ta achat est prête? Oui, mais on l'a fait pas en même temps. Ouais, d'abord qui? Comme tu le sens. Bon, ouais, bah j'y vais alors. Vas-y, faut que j'en pas mana de toute façon. Attends. C'est bon, il est. J'ai cru qu'il avait tout raté. Je le tiens dedans en plus. Yeah, 32 barres, nickel. Vas-y, ton tour. C'est bon, on crée en même temps, tu sais. Et là, il est à combien? 27? C'est tout? Oh bah dis donc, hein, on a fait les mêmes dégâts pourtant. Ouais, ça me dit qu'il reste que 50 pièces d'Eldrit. Les machins? Ouais, je sais, moi aussi j'avais la même chose. Sur la FR aussi. Oh, ah, les Mio qui attaquent bien, quoi. Faudrait les mettre à -100/-100 pour être sûr de qu'ils attaquent tout le temps, quoi. Non, c'est casse-couille. Ouais, pour c'est 7 jours en plus, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est casse-couille. Ah, d'ailleurs, je crois qu'on peut l'acheter aussi au marché, le tableau. Mais c'est trop cher. Ouais. Putain, sérieux quoi, la voix de Karu est chiante. Yeah, c'est bien, explosion. Il fait ça tout le temps. C'est toi, tu vas te la prendre. Allez, Karu, on va te violer. Ouais, non, c'est un mec quand même. Mais on s'en fout. Aïe. Non. Aïe. Prends-toi au Béron dans le cul. Putain. Quoi? Il m'a bouffé mon attaque. Ah, du cancel. Ouais, je supporte plus, Karu. Il est trop faible. En DS. En DS? En Enir, je veux dire. Arrête de dire confondre DS et Enir. Parce que l'Enir, je fais jamais, je fais plus DS. Ah, c'est normal, Enir, tu gagnes rien. À part des épées complètement cheatées. Ah, bah il est pas mal l'Oberon contre cette connasse. T'entends ces bruits? Ouais, je sais, j'ai déjà fait. C'est chiant. Mais pas en Enir. Ça fait un peu... On dirait qu'elle se fait vraiment violer, ou alors, je sais pas, elle a un orgasme. Bon, sauf quand elle parle. Là, tu te dis, elle fait chier. Et c'est vrai. Ah, parce qu'elle t'enlève 10 fois ta vie. Et voilà. Ah, elle est déjà à 27 barres. Ah, je suis passé derrière elle. Ah, voilà. T'es mort. J'ai même pas eu le temps de faire mon attaque. Attends, elle m'a mis un machin de soumission. Ça, genre, soumets-toi à moi... Connasse, ta gueule. Y'a pas de dominatrix ici. Oh, bah évidemment, hein, quand y'a le stoïque, après elle fait son combo. Ariès, à l'attaque. Rebelle-toi contre ton maître. Elle veut pas. Elle ancien plus. Maître. Si, attends, elle attaque quelque chose. Sans succès. Elle attaque dans le vide. Si elle fait sa pluie et qu'elle se prend une boule, elle est morte.
Elle a pas perdu un seul PV. Mm. Ah bah voilà, touché. Elle a résisté. Wow, bah en même temps, c'est vrai que c'est un mob de Sender, quoi. La fin de Sender. Ah putain, je vais crever. La bestiole te boost. Non mais ça suffit pas. Ouais, mon mob est resté en vie, quoi. Allez, il est temps de l'achever. Si elle veut bien, si elle veut bien, évidemment. Putain, non. Je déteste quand ils sont en invul. Seulement une barre avec l'Obéon, quoi. C'est décevant. Eh, hey, Arias est toujours là. Hein. Cette fois, on peut faire nos achats. Arias, il est toujours là. Bah non, elle est morte en fait, non. Ah bah ouais. Elle a pas supporté le changement de salle. Merde, maman. Putain, le Kaioken s'en est pile au bon moment. Hop. À mon tour, Kaioken. Ouais, bah dis donc, on fait pas beaucoup de dégâts. Non. Oh, pas d'accord. Putain. Si j'avais pas utilisé le mana break, je serais mort. Elle m'aurait aspiré. Moi, je pouvais pas. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus forte que dans le donjon. Parce que dans le donjon, avec son attaque, là, elle ne nous enlève même pas toute notre barre, alors que là, elle nous enlève toute notre barre. Le pire, c'est qu'il n'y avait même pas de marque au sol, quoi. Comment tu voulais te repérer? Bah là, il y a des marques au sol, tu vois. Les Red Eye Egg. Ouais. Avant, il n'y en avait pas. Non. Et voilà, c'est le décès. Ouais, ça commence déjà, tu vois. Saloperie. Hein. On va lancer. Petite attaque comme ça. Histoire de gaspiller un peu nos PM et évidemment de faire descendre le cœur. Avec les Wall no Monine. Je sais pas parler japonais, mais je m'en fous. Même pas japonais, c'est anglais. Wall no Monine. Non, non, ça m'étonnerait. C'est pas anglais. Allez, viens, montre. Voilà, monte ton cœur. Vas-y, Galis, montre-nous ton cœur. Hein? Waouh, la monture qui sauve la vie, quoi. Qui s'enlève au bon moment. Bah, en fait, elle était trop grosse pour passer dans les faux. J'ai failli me prendre les faux et elle s'enlève juste au bon moment. Ça sauve. Pour une fois que quand la voiture elle se barre, c'est bien. Non! Oh, je passe entre les boules. Ah, moi je suis passé derrière. Bon, j'avais une ouverture juste à côté de moi, mais je m'en fous. J'avais envie de passer derrière. Fuck la police! Fuck la police! Fuck la police! Après, je trouvais un moyen d'esquiver, moi. Oh, je passe à travers les chaînes! Quand j'attaque avec une monture, quand je suis dans les airs, je me prends pas les bouboules. Enfin, les chaînes. Moi, quand je spam, comme je spam W, à chaque fois qu'elle me fait voler, bah je peux pas voler parce que je fais W, je retombe cash. Maintenant, il faudrait juste que ces putains de tentacules dégagent. Sauf que ça sert à rien. Ça sert à rien de les taper puisqu'il faut détruire ce qui sort. Là, il y a un putain de Bégatrax à la con. Là, il y a d'autres conneries à la con. Et au fait, sur la FR, il y a le Diabolic Esper qui est sorti ou pas? Non. Toujours pas? Non. C'est de la grosse merde la FR, tu m'étonnes après que tout le monde va sur Void. Mais bon, s'il y a trop de gens qui va sur Void, Coq va finir par fermer le serveur. On a un compromis. Bah, faudrait juste qu'il y ait pas toute la population des jeux officiels qui viennent dessus. Ah ouais, d'accord, je suis mort dans mon animation. Elle m'a bouffé mon achat, putain. Et moi je suis mort dans mon animation. Elle m'a bouffé mon achat et après je suis mort, quoi. C'est non, je prends ta achat et je te fous une bite dans le cul et tu crèves. Mmh, c'est ça. Expression imagée. Hein. Mmh. Non, non, je me prends tout dans la gueule, je suis mort. Putain. Je me suis fait one shot. Ah mais s'il vous plaît, quoi. Non, 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 pas les bouboules. Trop de bon domination, c'est pas bon. Oh non, non, la blague de merde.
Non, pas les bobos, il y en a partout. Merde. Oui. Oiseau. C'est la fin du Enir et du speedrun. C'était laborieux. Ouais, c'était long. Ça aura duré 10 heures, voire même une journée entière au total. Pour toutes les vidéos. Voilà. Et nous, on n'est même pas marqué dans les clauses Enir Space Time. Ça marque pas pour les Italiens, pour quand c'est toi. Ah bon, ça marque pour les autres alors. C'est comme pour ton level up, ça marque pas quand toi tu es level up. Dans les champs, si, ça marque le level up du gars qui up. Non, mais pas toi. Et voilà, et en plus, il est 22h, c'est l'heure à laquelle tu te couches, je crois. Eh bien, nickel, on a fini ce speedrun. C'était compliqué. Vraiment très compliqué. Ouais. Mais enfin, on a pu passer. Oh, Drabaki, j'ai juste envie d'aller le faire. Pour terminer ça en beauté. Et en fait, c'est où? Je sais pas. J'ai cru voir Flooded Town. Oh non, c'est Hamel, ça. Et au fait, allez. Pour la première fois de toute ma vie, ou plutôt de Void, je vais... Je vais TP. Voilà. Je vais me TP. Magie. Source of Healing. On va aller juste à côté, histoire de faire un dernier Drabaki, parce que avec tous les 70 qu'il doit y avoir maintenant, et encore nous, on va être trop fort. On va gagner des cubes. Ah ouais, c'est bien Flooded Town. Ok. Dépêche-toi. Yeah. Oh putain, ça lag, fais chier. C'est pas le moment de laguer, quoi. Est-ce que je peux encore rentrer? Oui, je vais faire un Drabaki. L'observateur des ténèbres. Ah, c'est que maintenant qu'il commence. Je suis dans une nouvelle piole ou quoi? Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ouais. Putain. Un serpent de glace. De glace. Serpent des ténèbres géant. Ah, mais pourquoi je bug comme ça? C'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde. La dernière fois que je l'avais fait, pourtant, ça n'avait pas autant lagué. Ça doit être à cause de la compression de la mise en ligne en même temps. Ouais. Ouais. Je commence également à mettre le speedrun en ligne. Le premier épisode va sortir d'ici pas très longtemps, d'ici... Moins d'une heure. Ah non, on est dans le même. Moins d'une heure. Bah oui, on est dans le même. Tant mieux. Il est à combien? 92. Regardez-moi cette barre, quoi. Regarde l'achat. Le laser géant. J'ai fait la mienne aussi. Ah bon? Où ça? Ah, t'es de l'autre côté, toi. Moi, je suis à gauche, moi. Moi, je suis à droite. Ah, ok. Petit achat. Pas assez de PM. On va y remédier. Non, des achats. Allez. Utilise-moi ça, putain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis mort parce que... Parce que ma putain de achat ne s'est pas activé, hein? Il y en a un qui a fait champ tactique. Non, mais je connais pas. C'est trop pratique. Je connais pas. Ah, champ tactique, c'est trop pratique. Tu te crois poète? Oh putain, la queue. Je vais lui péter la queue. Ah, d'accord. Ah, mais il est là-bas. Est-ce que je peux le toucher? Ouais. Non. Je fais ça dans le vide. Putain, je pensais qu'on pouvait toucher la tête. C'est bon à savoir, on ne peut pas toucher sa tête. Pas de headshot. Non. Ah si, on peut la toucher. Y a combien... Si, si, on peut la toucher. Si, si, quelqu'un a réussi à avoir un coup critique. Pourtant, j'ai pas vu de dégâts sur ma hache. Oh! C'est quoi cette attaque? J'ai rien compris. Voilà. C'est le Drabaki qui va terminer le speedrun finalement. Mais le speedrun est déjà fini en fait. 50 Eldritch Essence, Peace Remaining. Ah, mais c'est bien ça. Ça suce tellement vite. Faut toucher la tête. J'approche pas trop de la tête, ça fait mal. Et c'est justement là où il a le plus mal. Oh putain, oh putain. On a pas besoin de s'approcher de sa tête pour mourir. Non, justement. Oh non, je suis pas mort. Oh là là, je l'ai vu tomber sur moi. J'ai perdu un tiers de ma vie.
Voilà, là je crois que c'est bon, je suis mort. Non, pas encore. Il m'a gerbé dessus, je suis mort. Wouah, ça lag trop. Bah en même temps, tu me diras, on est 12 avec un boss qui fait trop de particules. Tout le monde qui fait ses achats. Ouais. Elle sortira riche avec tellement d'achats. Ouais, et ça bouffe la RAM d'FPS, surtout en plus avec mes mises en ligne et compression en même temps. Wouah, j'ai réussi à esquiver sa queue. Oh, cinématique. Du moins, on peut bouger pendant la cinématique, ce qui est pas normal. Mmh. Il fait quoi là? N'importe quoi. Oh là, d'accord, il m'éjecte. Oh, oh putain, il va faire les lasers. Vite. Salut. À la tête. Parce que là, il va faire le laser après. Je crois. Non, bah, je suis mort. Ça y est, il va le faire. Le voilà, là, le laser. Oh, même, je suis manqué avec un, j'ai loupé un petit peu. Plus les bouboules. Aïe. Franchement, on devrait faire un top 10 des meilleurs boss de fin, quoi. Lui, il serait dedans. Lui et Eltrion. Eltrion, j'ai jamais fait encore sur ce perso. Moi, j'ai déjà fait. Ah! Oh, ces lasers ne m'ont pas tué. Moi aussi. Ken, le survivant. Ken, le survivant de l'enfer. Ken, crois là, souvent le faire. Ah, putain, je suis mort. C'est la plainte du désespoir. Ouais bah Drabaki, tu vas pointer au chômage. Ah mmh. Ah mais en plus il crée du feu qui tue. D'accord. 18 barres de vie, 7 minutes, c'est faisable. Surtout qu'au bout des 40 barres. Ah, laser. Laser géant. Moi je préfère monter au troisième niveau. Moi je tape dans le tas, je pense que je tape. What? Drabaki est angry, donc il est complètement colérique. Fais chier. Bon, je me casse parce que sinon je vais crever. Ah putain! Je l'ai vu arriver de nulle part, je me suis pris en pleine gueule. J'ai perdu toute ma vie, du moins presque. Putain, il résiste aux flammes et tout. Mais mec, t'imagines, on n'avait pas nos montures, on serait mort en un coup avec chacune de ses attaques. Il est temps que je fasse pour la première fois les météores. Cet achat que je viens de voir avec le laser, c'est juste génial, quoi. Ouais. Elle doit être pire que ta achat de Raven. Bah évidemment, je meurs en même moment que lui, quoi. Est-ce que lui aussi va nous tomber dessus? Non. Non. Toi, oh, j'ai que deux regarde cubes. La masse de lingots. Et une main. Regarde la masse de lingots. Deux cubes. Cric crinc. Ah, j'ai eu que deux cubes, c'est de la merde. Ah non, j'en ai eu trois, moi. Oh, t'es sérieux? Ah non, ça, j'en ai eu trois, mais je croyais qu'ils se stackaient pas. Et tu gagnes des cœurs, c'est trop bien. J'ai eu un cœur. Deuxième cœur. Tu gagnes chaque fois que tu vois. Ouais. Et tu peux les échanger chez Happink contre des montures, je crois. Il en faut 140. Sachant qu'il faut bien partir. Faut se casser pour pouvoir se... Pour quoi? T'es encore dedans? Ouais. Regarde-moi l'arrière-plan, il est joli. L'arrière-plan, le Mont Parman? Ouais, il avec est trop beau. Avec la lune, t'inquiète pas, bientôt on ira dans cette lune, on ira sur cette lune. Ça fait vraiment la Chine, tu vois. Avec les bambous à droite, ouais. Les vieilles maisons détruites à gauche. Bah tu sais, c'est les Coréens qui ont créé ce jeu. Hein. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des bonsaïs. Il y a tellement de triangles de prismes. Si on reste tous là. Y'a quelqu'un qui a écrit dans le chat ou pas? Non. Personne qui dit GG ici. Ouais, mais tu sais, c'est les Américains, ils savent pas parler. Ils ont pas de bouche. Bah voilà. On va sortir maintenant. Ah non, tu veux faire échappe quand même. Tu veux sortir? On peut sortir avec échappe? On peut pas y aller pendant 20 minutes. Non, vaut mieux sortir par le portail en fait. Ouais, de toute façon, 20 minutes, je vais déco donc. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute manière, le speedrun est fini. La série avec. C'était la fin de ce playthrough, enfin de ce speedrun. Playthrough, qu'est-ce que je raconte moi? Speedrun qui fera 30 épisodes, pour m'expliquer la logique. Non, parce qu'il y a beaucoup de coupage. Vers le début, il y a certaines minutes qui ont été effacées. quelques dizaines de minutes qui ont été effacées, donc du coup, il manque des choses.
Il y a le début, mais vers les deuxième, troisième clips, ça a été effacé, donc bah, du coup, il manque des choses. Bah, tu sais quoi, pour cette fin de vidéo, je te propose que ici on fasse nos deux ultras. Ici. Ouais. Tu veux pas plutôt faire ça, Ruben? Non. Ah, Ruben. Peu importe. On se les fait où? Allez, Ici. un endroit bien sympa. Là où on est, à cet endroit-là? Oui. Ok. Pas voir, tu veux En rappeler même après. temps, en même temps. Allez, attention. Non, mais attends, moi, il fallait l'enclenchement. Dès que tu vois que je commence l'explosion. Comment? Quand tu commences l'explosion? Maintenant. Ouais, sauf que moi, ça dure plus longtemps. Ouais. Voilà. Et c'est Stylé. ainsi que s'achève notre série Speedrun. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle série. Ciao, ciao. Et toi, Max? Tchuss. Tchuss. En fait, ciao, ça veut dire bye en anglais.